Salut tout le monde, moi c'est Nanou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo seule avec deux enfants. Non, je me suis pas séparée, juste mon homme est parti travailler. C'est dimanche et je vais vous montrer comment nous on s'occupe le dimanche quand il fait beau. Merci bon Dieu. Et voilà, je suis seule avec les deux petites aujourd'hui. Je sais pas si je vais voir du monde ou pas, mais ces enfants, il faut les occuper. Forcément, je vous fais ça sous forme de vlog parce que c'est beaucoup plus pratique et j'aime bien, tout simplement. Donc je vous laisse avec nous dans cette fameuse journée. Ce matin, on s'est réveillé sur les coups de 10h30. Voilà, tranquille, tranquillou, comme un bon dimanche. On a tous déjeuné. Je suis partie à la douche avant que mon homme parte au travail. C'est beaucoup plus simple pour moi. Le temps que je me lave la tête et tout, puisque j'avais mis l'huile d'Uxéol et voilà. Il fallait que je me lave la tête, je ne pouvais pas sortir comme ça. Et Elina a mangé à 11h30. Elle est partie faire sa sieste, comme ça on peut sortir en début de journée, parce qu'après il fait un peu frais. Il fait beau, il y a du soleil, mais on est quand même presque en hiver, donc il fait quand même froid. Donc je préfère sortir en début de journée vers 14h et rentrer sur les coups de 17h, parce que de toute manière, demain, il y a l'école. Tiara n'est pas prête encore, il faut qu'elle aille prendre sa douche. C'est moi, Tiara. C'est elle, Tiara. Et voilà, elle est encore en pyjama, poupée. J'en peux plus, ces poupées, lol. Pourquoi on va faire tout ça? Pourquoi t'en veux plus des poupées, lol? Parce que j'en peux plus des poupées, lol. Mais j'ai commandé encore des poupées LOL. Tu as demandé au Papa Noël? Et même j'ai commandé du slime. Oui, tu l'as déjà dit la dernière fois. Et je vais en donner un petit peu à Lily et Lola. D'accord. On va se préparer? Allez, c'est parti. Let's go. J'ai séché mes cheveux. Maintenant, je vais passer au maquillage. Et j'ai un fond de teint à tester en collaboration avec Maybelline. C'est le Super Stay. Voilà. En teinte 30, Sand. Super Stay, Full Coverage, Foundation, 24 heures. Voilà, je vais tester tout ça. Je vais faire une photo avant, une petite vidéo et une photo après. Et ce sera sur mon Instagram. Donc, je vais me maquiller et je vous retrouve juste après. Bon, du coup, je viens de finir de m'appliquer le fond de teint. Et franchement, rien à dire. J'ai tourné ma petite vidéo pour Instagram. Rien à dire, il est trop bien. Bon, là, j'ai appliqué que le fond de teint. Hein. J'ai rien appliqué d'autre. Je vais finir mon make-up. Hop, j'utilise la poudre de chez Laura Mercier pour fixer tout ça. Hop. Si je prends un pinceau, c'est toujours mieux. C'est des pinceaux qui viennent de chez... Enfin, c'est une pochette à pinceaux qui viennent de chez Marionneau. Il y avait des pinceaux à l'intérieur, mais j'ai pas envie de salir. Ils sont trop beaux. Avec de la... Du velours. Ouf, j'arrive plus à parler. Hop. Et on applique ça là. Faut vraiment que je m'achète une coiffeuse. Je suis en train de regarder un peu les coiffeuses, mais j'ai pas d'espace. Donc ça m'énerve un petit peu. Il faut que j'en trouve une toute petite où je puisse caser tout mon maquillage parce que ça rentre plus nulle part. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des sites où ils vendent des coiffeuses. Pas trop grandes, pas trop chères non plus. Hein. Là j'ai regardé un peu sur Amazon, mais elles font 1m20 quoi, de longueur. Et moi j'ai que 1m il me semble. Du coup, pour l'instant, c'est posé sur ma commode. Voilà, voilà. C'est très bien. Je regarde là parce que j'ai mon miroir. Désolée, au fait. Hop. Et franchement, poudré, j'adore le rendu. C'est un truc de dingue. J'adore. Hop. Je vais finir mon make-up. Tranquille, tranquille, parce que je sais que ça embête beaucoup de monde que je me maquille. C'est long. Donc, je vais finir mon make-up. J'adore vraiment, je suis fan du fond de teint. J'ai fait un petit coup de plaque, mais vraiment léger. Et là, je mets du sérum, c'est de chez Schwarzkopf, j'arrive pas à le dire. BC Oil Miracle. Voilà. Hop là. Maintenant, il reste plus qu'à aller réveiller Elina. Et ce sera nickel, on pourra y aller. Allez. Allez, là-bas, je peux. Nous sommes partis au village des marques.
Parce qu'à ce qui paraît, il y a des activités de Noël pour les enfants. Et Chiara, elle veut voir qui? Chiara, tu veux voir qui? Père Noël. Je l'ai vu deux fois parce que... Tu l'as vu déjà hier? Hier, parce que en fait, je voulais le voir, il y avait un petit peu de monde. Et après, hier, tu l'as quand même vu. Et après, j'ai quand même vu. Il m'a dit qu'il va me ramener beaucoup de cadeaux. Chiara, tu as demandé quoi? Sirène. J'adore les sirènes. Et voilà, madame. Elle est belle, hein? Village des marques et ne pas s'arrêter à l'ère de jeu, ce n'est pas aller au village des marques. Oui, mon cœur. Mais il y a du monde là, Chiara, hein? Mais non, mais viens aller. Oui. On est parti du village des marques pour aller à Istres. On va aller faire un petit tour parce que Chiara veut absolument voir son Père Noël. Merci. Et on va goûter en même temps parce que j'ai un petit peu faim. Il était motivé, une demi-heure au bar sans être servi, du coup on a pris dans le petit chalet notre café, la gaufre, et voilà. Le seul truc, c'est qu'on va devoir manger debout. Namor ! Du coup, on s'est posé devant un magasin là où il y a un petit rebord pour que Chiara puisse manger. C'est bon, Chiara ? Tu vas nous dire que t'as pas mangé de Nutella là non plus ? Non. Non, vu ta bouche. Elle est bonne ta gaufre ? Je vais arriver à la maison. Ouf, c'est ça qu'on complique. J'arrive pas à parler. Je suis trop essoufflée. C'est ça qui est compliqué quand on n'a pas d'homme. Enfin, quand on a un homme et qui travaille. Et qu'on est seul. Quand on rentre de dehors, qu'on en a une qui dort à moitié. Bon, une qui peut pas tout porter. Je me suis arrêtée à Carrefour faire 2-3 courses pour manger pour ce soir. Porter le sac à langer qui pèse une tonne. Le sac de course qui pèse une tonne. Porter la petite. Les clés. Ouvrir la porte. Une horreur. Je suis épuisée. Ouf, fin de Dieu. Ça va bon? Elle a rôté. Elle a rôté, oui. Vous avez passé une bonne journée? T'as vu le Père Noël? C'était bien? Elle est éclatée, là. Là, il est 6h30, à peu près. 6h30. Je vais aller les déshabiller, la changer. Et après, ben, commencer à préparer à manger, parce que ce sera l'heure de manger. Et voilà. Mais je vous reprends un peu plus tard. Bon, ce soir, j'avais pas envie de me compliquer la vie. J'ai acheté ça. C'était vendu par 3. C'était en promotion en plus. Tortellini de bœuf à cuire pendant. Je sais pas comment c'est écrit. C'est écrit où? Il y a écrit autant de cuisson? Je sais pas combien de temps. Ah oui, 3 minutes. Voilà, c'est rapide avec une sauce bolognaise. Et ça ira très vite et très rapidement parce que j'ai la flemme ce soir. J'ai pas envie de faire manger. Le repas est bientôt prêt en attendant les petites joues. Elle est bonne la carotte? Elle est bonne la carotte, oui. Doucement. Tu te rappelles qu'il faut la mouiller? Oui, je me rappelle, ça change de couleur. Ça sent... On s'est tous mis en mode à l'aise. Dolce. Dolce vita. Dolce. Nounouche. Mon bébé.
Et voilà, les petits sont en train de jouer tranquillement. Et ça va être bientôt l'heure de manger. Allez, les petites ont mangé. Elles sont couchées. Ouf, ça fait du bien de se poser. Comme vous pouvez le voir, mon maquillage n'a pas bougé. C'est vraiment un truc de fou, ce fond de teint. Pourtant, tout à l'heure, j'ai lavé les dents à Kiara. J'en avais partout de l'eau sur le visage et tout. On met toujours de l'eau partout, nous, quand on utilise le robinet de la salle de bain. C'est un truc de fou. Ça fait la piscine. Voilà, j'ai la dalle. J'ai trop faim. Mais mon homme finit à 21h et je vais l'attendre pour manger. Mais depuis tout à l'heure, je goûte pour voir si les pâtes sont bonnes. C'est tellement que j'ai faim, en fait. Je mange dans le plat. Mais bon, je sais que c'est pas bien. Même Kiara m'a dit, mais maman, prends une assiette. J'ai dit, non, je voulais juste goûter, voir s'il manquait pas du sel. Bref. Donc voilà, je vais attendre qu'ils rentrent. Là, les petites, je leur ai lu la petite histoire. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de pleurer. Du côté d'Aïlina, parce que bon, Kiara ne pleure plus, bien évidemment. Elle était tellement fatiguée de cette manière qu'elle se languissait d'aller se coucher. Et voilà. Je vais aller me démaquiller, me nettoyer le visage, me mettre en pyjama, manger une portion de pizza en attendant que mon homme rentre, parce que j'ai faim, juste pour caler mon petit bidou. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, juste en dessous, si ça vous intéresse que je vous fasse une night routine en IGTV ou sur YouTube, ou même une morning routine, ce serait pas mal. Je le ferai quand mon homme travaille pas pour garder les petites, ou une vraie morning routine quand j'ai les enfants. En tout cas, voilà, ça me plairait. Donc, dites-moi vous en commentaire si ça vous plairait également. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!